an eternity of futile struggle, or penance for my unspeakable transgressions. Eh ouais, fallait pas jouer avec Cthulhu. On est de retour. Pour plus de Darkest Dungeon. On est de retour, on va essayer de faire un boss. Je suis allé regarder comment j'ai combattu le porcin, là, le roi porcin. C'est pas trop difficile. C'est juste qu'on avait mal joué la dernière fois. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là? En fait, faut un peu utiliser l'événement qu'on a, donc c'est les ressources gratuites. Donc, alors en théorie, comme on avait parlé la dernière fois, en théorie, ce serait bien de faire un truc long. Parce qu'on a les ressources gratuites, ça fait quand même pas mal d'argent économisé. Mais il faudrait y aller avec un groupe de niveau 6. Pour être tranquille. Et un groupe de niveau 6, du coup, bah, on gagne rien. Alors qu'on a encore tout ça à monter de niveau. Donc ça ferait plus ou moins une semaine qui passe. Pour seulement bah, pour un objet. Bah, il est bien, hein, je dis pas le contraire. Et pour un peu d'argent. Voilà, donc ça sert pas à grand chose en fait. Donc on a deux boss, on a la sorcière. La sorcière, je voudrais... Enfin, même pour le porcin en fait, je voudrais quand même avoir le chasseur de prime. Parce qu'il va faire très mal en fait. Il ferait très mal au porcin. Mais... J'ai pas vraiment envie de prendre niveau 3 avec moi. Ce qu'on va faire, on va jouer, je pense, Vanguard en support. Et ces deux-là vont faire des dégâts. Donc, Dot. Tout simplement Dot. On n'aura même pas besoin de ça. Ça, ça fait quoi, ça? Retire la marque, transfert. Faut que je teste ça, j'ai toujours pas testé, je sais pas comment ça marche. Et après on aura des tirs, il faudrait marquer la cible, j'ai rien pour marquer. Aïe 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 aïe. Ou alors on prend un truc qui marque, mais j'ai rien qui marque. Ah, si j'ai lui. Si j'ai lui. Faire comme ça à la limite, hein. Alors on le fait vraiment. Le truc c'est qu'on va pas avoir de buff en fait. Marquer la cible, ça c'est mieux. Et on spamme les deux là. Et toi, faut te virer. Pourquoi je veux Vanguard pour ça en fait? Pour ça, pardon. Esquive et critique. Et après, on peut même mettre dégâts. C'est surtout pour ça en fait. Merde. Bon ben ouais. Dark, tu vas devoir jouer. Tu vas devoir jouer au niveau. On va faire le boss. En plus tu viens récupérer ton objet. Donc ça va. Eh, des fois il faut un peu risquer les choses pour avoir des récompenses. Donc ça, ça fait quoi ça? Stress moins 25%. Retire la marque. Ok. Je sais pas trop en fait.
Je vois pas comment je pourrais l'utiliser, ça, le problème. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Pas mal. Ouais, je pense que c'est mieux de prendre Dark avec nous quand même. Je crois que ça va être beaucoup plus puissant. Alors, lui, on va le... Dark, pour jouer, il faut que tu... quoi. Ouais, les stuns, ils vont servir à rien. Faudrait débloquer la marque de mort. Chaque fois j'oublie. Alors, débloquons la marque de mort. La marque de ses morts. Très bien. Le saignement, pas besoin. On va juste faire spammer ces deux en fait. On va marquer, puis après taper, 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 taper. Jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. C'est un peu ça le gameplay. Alors au début on peut faire l'histoire comme ça, le groupe comme ça. Comme on avait déjà fait ça. Bon la syphilis ça casse les couilles mais bon faut bien que je joue. On va jouer comme ça. Et après, on va te mettre toi en arrière et tu feras support. Tu feras complètement support en fait. Donc... ça. Bon déjà on va équiper le soin. Alors le soin c'est plus ou moins toujours la même chose. Ça. Protection 25. Ouais. Toi tu vas avoir protection 10. Est-ce qu'on est bon en skill? Alors ça c'est sur soi, ça c'est sur le groupe. Esquive et crit, il faut qu'on débloque ça. Vanguard. Ça, toi t'as... qui c'est qui nous permet de dormir la nuit, ça? Ouais. Nickel. Nickel. Alors, protection et PV max esquive. Ça me paraît très très bien. Toi tu veux, on peut te mettre ça. Attends, on avait l'autre qui était intéressant, non? Alors là c'est résistance au coup fatal, dégâts si stress supérieur à 85, esquive à plus 20. Il gagne pas beaucoup en fait. Si jamais il... En fait c'est bien... Oui, plus il va être dans la merde et plus ça va être puissant en fait. En gros c'est ça. On est à 87%. Ça peut être... ça peut être sympa. Ça fait un peu une sécurité en fait. Toi, 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 toi.
Protection et PV max. Alors maintenant on est à lui. On va attaquer donc le porcin. Enfin, le roi, ouais, le roi porcin ou je sais pas quoi. Donc c'est une bête. Alors déjà pour la classe en elle-même, on a rien d'intéressant. Donc c'est une bête. Donc là on va quand même garder de l'esquive parce que l'autre il fait des AOE et il tape. Là on a dégâts et précision. Critique, précision. Les deux, ça me paraît très bien. Puis après, si on veut mettre des gros trucs, bon, bah, c'est un peu plus chaud. Genre, on a 25% de dégâts contre les bêtes. Je dis pas que c'est pas bien, mais l'esquive moins 8, ça risque d'être très dangereux. Donc, moi, je fais pas trop confiance à ça. Donc ouais, elle a plus d'HP et de la défense, c'est bien. Lui, il a full dégâts, précision, critique, précision. Lui, il est full ouais, tank, agonie, machin, bizarre. Parce que je sais pas quoi mettre d'autre. Ça sert strictement à rien en fait. Si on veut pas le jouer à mid, ça oui, ça va. Résistance au coup fatal, c'est 12% si je l'enlève. 85. Donc ça, à la limite, ça peut être intéressant. Ça, c'est limite, ça sert strictement à rien. À moins qu'on le joue en agonie, en fait. Après, si je mets celui-là, ça fait quoi? Oui, 83. Hein. Celui-là est le plus intéressant, au final. Mais lui, on gagne, au moins, on gagne des HP, quoi. Non, non. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On a la vitesse, mais c'est pas vraiment intéressant. Enfin, quoique, on risque de jouer, en fait, en agonie, hein, parce que... Parce que l'autre il va faire mal. Non, non, on va laisser comme ça, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Alors toi, en premier, vu qu'on fait du combat. Ah, très bien. Toi, t'as déjà du stun en fait. Là, on est bon. Et après, on mettra du... Ouais, ça va être bien, ça. Let's go. Voilà. Ça c'est pour enlever les horreurs, je crois. C'est le debuff en fait, horreur, si je dis pas de conneries. C'est parti. My first attempts at summoning were crude and the results disappointing. I soon found, however, that the type and condition of the host's meat was a critical factor. The best results came from pigs. Whose flesh is most like that of man. Eh ben. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Ouh, c'est de la merde, dis-moi.
quoi ça? Chariot de provision. Je crois que c'est ça. On les a jamais vus, les chariots de provision ici, tiens. La première fois. Mais oui, ça doit être comme l'autre en fait. Ouais. Ah mon dieu, c'est quoi ce truc? Ouais, ça commence bien. Promise of safety. Il fait quoi lui? Je me rappelle pas. Mais c'est la première fois qu'on... Ah non, mais c'est la première fois qu'on le voit. Ok, donc il peut paralyser. How quickly the tide turns. Yes. Super. Pas regarder ses stats. 95% étourdissement, infection, c'est pas mal. Great is the weapon that cuts on its own. Marqué. Envers le royaume. Ah, j'aurais pu mettre du soin. Oui, j'ai mis de la défense à la place. Ça va, c'est normal. C'est normal. Normal parce que sinon, l'autre il va faire des AOE, le boss là, c'est relou. Donc je préfère qu'elle soit plus résistante que autre chose. Qu'elle soigne mieux en fait. Je préfère qu'elle soit qu'elle résiste plutôt qu'elle soigne. Parce qu'on a la le 30% de soins en plus, un truc comme ça, je crois. C'est pas mal ça, on l'a utilisé plein de fois. Bon, ça va, on est résistant. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Mais par contre, le machin, il est où? Il est dans une extrémité ou pas? Où il peut être genre là? Ancient traps lie in wait, unsprung and thirsting for blood. Bah du coup on va camper là parce que je suis sûr qu'il est en haut ou en bas hein. Ah, on va camper là. A spark without kindling is a goal without hope. Très bien. Alors,
On a Vanguard qui va nous aider. Donc on a esquive et crit. Alors, elle pourrait empêcher l'embuscade nocturne. J'avoue que c'est quand même vachement utile. Alors, toi, t'as dégâts et précision sur les gros. Et sinon, après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait dégâts pour tout le monde. Échange de crit. Bon, après, les dégâts pour lui, ça sert pas à grand-chose pour le flagellant. Donc, à la limite, on peut faire ça. Plus grands ils sont, plus dur sera la chute. Et après, pour ne pas avoir encore de mauvaise surprise, ça. Que la sécurité soit avec nous, que la lumière sacrée nous couvre de son voile. C'est con parce que c'est un peu du gâchis presque, si on n'a pas de malus de mortalité. Je me sens fort et puissant. Avec sa tête dans les mains. L'équipe est cool. As the light gains purchase, spirits are lifted. Ah, and oh, en bas. Is made clear. Alors, maintenant on change. Alors. Donc, pur tank. Non, pur buff. Ah ouais, charge de crit reçu plus 5% durant marque. Ça peut être pas mal ça. Voilà, très bien, toi. Toi tu bouges pas. Toi par contre, ça sert plus à rien. On peut garder ce stun parce que du coup ça va toucher tout le monde. On peut mettre le saignement. Mais je l'ai pas augmenté le saignement. Bien joué. Alors, merde. En haut ou en bas? Telle est ma question. Toi, tu peux bien jouer en deuxième. Hein, on est d'accord. Oui. On commence. Putain, on a commencé en plein milieu en plus. Allez. In radiance, may we find victory. C'est parti. J'espère qu'il est là parce que sinon j'ai fait ça pour rien. Et c'est pas là. C'est pas là. On a utilisé ça pour rien. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Waouh, faut pas toucher. Donc. C'est parti. The match is struck. A blazing star is born. Eh ben, t'en as des HP. It is a travesty. A blundering mountain. Of hatred and rage. Nickel. Alors, Marc.
Esquive. Est-ce qu'on peut le stun? Ouais. On peut pas. Ah, je peux pas le stun. Lui. Bon, bah, du coup, dégâts. Ouais, 12 de dégâts, c'est pas mal. Agitation sauvage. Très bien. On a combien de. On va un peu. Esquive 32, 37, 40, 47. Donc en théorie, ça va faire très mal. 16 à 34 de base. Donc faut faire du crit. Achève-le. Oh oh. Alors maintenant. Esquive, vitesse en moins et change de crit reçu plus 5% durant marque. Merde, il a résisté. Tant que l'autre il nous loupe, en fait, ça marche. Hein. C'est nickel. Voilà, fallait que je ferme ma bouche. Alors, il est toujours marqué. Chevelé. Ah! Marc. Ça c'est très potable cette équipe hein. Faut la noter cette équipe hein, pour celui-là hein. Pour ce boss. 16 à 34 maintenant. Voilà, 51. Ouais, on a bien fait de le prendre. Ah, on est bon. Ah, du coup, il a encore plus de buffs. Ah, tous les buffs qu'il a. Très bien. Their formation is broken. Ben voilà. Maintain the offensive. Et ben voilà. Très propre. Très très propre. Stress moins 10. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a des curios. Ouais. Je pourrais même sortir maintenant. On va quand même récupérer quelques trucs en plus. Mais ouais, bah nickel. Nickel, nickel. C'est méga safe. Ce groupe là, méga méga safe.
Incroyable. Est-ce qu'il y a... Là, y a rien à dire. Ouais, j'ai l'impression que lui, ça c'est pour le combat normal, comme ça il peut stun partout, grab et taper. Et après pour les boss, c'est ça, ça. Et après ça dépend un peu de ce qu'il y a dans l'équipe. Genre si on peut étourdir et on peut reprendre ça, sinon on met du saignement et tout. Ouais. Très, très bien. Du coup on peut passer par là parce qu'il y a deux curios et on fera un combat. Déjà pillé, super. Les créatures peuvent soigner des ficelles invisibles. Alors. Oh, attendez. Boum. On brûle les... On brûle les mauvaises choses. Oxytorche par contre, faire gaffe. Masterfully executed. Ah non. Voilà. A dizzying blow to body and brain. C'est super en fait que. Que ce soit aussi bien passé quoi, c'est incroyable. C'était super safe, super tranquille. Incroyable. Très puissant Vanguard pour les boss. Unbalanced. Avec ses buffs. Retrait au trop. Ah ok. Parfait. Ah, il s'enlève les... Non. Je sais pas. Size alone does not dissuade the sharpened blade. Les dégâts, c'est de la merde. C'est bon.
dégâts, c'est un peu de la merde. Confidence surges as the enemy crumbles. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Ouais, on peut faire deux combats, on fait ligne droite. J'espère qu'il va monter niveau 4, ce serait vachement bien. Non, 3 ? Non, 4 ? Ouais, non, non, il est trop bas, ça va pas marcher. Bon. Merci. Un rubis, un saphir. C'est pas mal. Quoi là, on sait pas, il y a peut-être un... Ouais, c'est bien comme ça. Peut-être un obstacle. On sait jamais. Ah, après j'ai encore les autres zones. À la limite. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Grand manche cadavre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fais voir les résistances. Ouh, tu résistes. Qu'est-ce que t'es, toi? On va vite te tuer. Oh, oh la vache. Et t'es quoi? T'es une bête, ok. Après, ça va, esquive et tout. Je vais réussir à le stun? Yes. C'est quoi ce machin? Jamais vu. Oula, 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 doucement. Retrait au trop. D'accord, donc quand il se met derrière, il a une habilité de pouvoir traverser, quoi, en fait.
C'est bête que j'ai pas la OE en fait. On devrait enlever l'attaque sur lui. Ça, à la limite, il fait pas de dégâts. The ground quakes. Bon. Pestin, oula! Ouh, ça fait mal ça. Monster's size has no intrinsic merit. Festin tentaculaire. Inordinate exsanguination be considered a virtue. Là, on lui a mis saignement. Pas mal. J'ai envie de virer ça, moi. Attends, on en est où là? On a encore deux salles. Ah non, mais deux salles, y a rien. Yes, c'est bon ça. Ça c'est combien? 25. C'est bon. Pas mal. Très bonne équipe. Très très heureux. Ah si, t'es monté niveau 4 direct. Yes. Dans l'ombre, c'est, on s'en fout. On s'en fout. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le jeu il a crash. C'est la première fois que ça crash. Je me demande si c'est pas lié au mode. Enfin, non, ça m'étonnerait. Le jeu crash. J'espère que ça a bien enregistré. Et si j'avais pas les mêmes, les mêmes atouts, parce qu'il y avait un truc unique là sur le. Sur le. Chevalier là. Pas le chevalier. Oh mon dieu. Sur le chasseur de primes. Ah ça je vais être dégoûté. Ah mais attends, on a fini. On est à la ville. Donc on est sorti de la ville, je crois. J'espère. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Oui, on n'avait pas les 5. Idéaliste du crépuscule ignore la furtivité. Alors ça, si ça peut être, si c'est pas utile sur sa classe, je sais pas ce qui est utile. Je crois que ça c'est cool ça. Je crois que ça c'est cool. Ah mais on peut pas le loquer. Ah ok. Limite on peut loquer PV max. Putain, 10 000, oh la vache. Alors toi il faut qu'on te vire tes maladies là, tu fais chier. Attends, qu'est-ce qui s'est passé du coup dans le. Dans la ville? Alors. Super. Ne souffre plus de désespoir, c'est déjà ça. Ok, ok. Ça
marche. Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Ça c'est pas mal ça comme truc, comme objet. Ah oui, ça c'est pas mal non plus. Le talisman de dégainage, dégainage, j'en voulais un moi. Pensez sera la compétence de... Ouh là là, c'est quoi ça ? Compétence de mêlée, critique et dégâts. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Ah mais c'est niveau 5. Attends. Ouais non, toi, il faut être 4, ok. Niveau 5. Et c'est un truc long. Genre imaginons ça. Faudrait au moins 2-5 pour qu'on les monte de niveau. Après il nous faudrait quelqu'un. On a le hunter. Papalapam. Param. Ça peut pas faire un nom spécial, non? Je veux bien tenter pour le l'ancestral là, parce que ça. Le mêlée dégâts écrite, désolé, mais ça a l'air vachement bien. Et là, on aurait une équipe de 5 et 6. Donc 3, 5 et 1, 6. Donc c'est bien. Alors là, on a quoi? Ah! On a un occultiste niveau 1. On a une furie. On peut augmenter quelque chose. 24. Très bien, on a 24. Yes, on va pouvoir, je crois. Il nous faut 60 blasons. Autant faire les blasons, hein. Autant augmenter les habilités, je pense. A strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic of combat. Nickel. Maintenant on peut faire ça. Alors ça on va le prendre. Donc il en faut 16. Il faudrait aussi plus de mecs en même temps.
Mais bon, voilà. Maintenant, on a les recrues qui viennent, qui peuvent être niveau 2 direct. C'est le top du top. On va pouvoir peut-être changer tous les niveaux 1 qu'on a, à la limite. C'est quoi ça? Tous les niveaux 1 qui... Enfin, tous les niveaux 1 qu'on a, on va peut-être pouvoir les changer pour niveau 2 sans avoir à les utiliser. On peut augmenter les habilités. Je crois qu'on est sympa. Attendez, faut que je regarde si... si je continue ou pas. Ça nous a pris combien de temps de faire le premier? Ah, bah, ça va, on peut continuer. On va continuer. je peux pas faire de maison encore. Non. Faudrait aller farmer des cristaux là. Alors, on a dit qu'on voulait faire récupérer. C'est quoi ça? Soleil dans les forêts. Donc ça, ancestral. Ouais, donc ça, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc c'est un long champion. En plus, c'est 90% des pièces. Donc à la limite, on peut un peu gruger le truc et tout ça, se balader. On a 3, 5 et un 6. On a des gros trucs qui sont assez bourrins, enfin qui sont assez résistants. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Toi, il y a les... Ouais, toi, y a la maladie là qu'il faut virer. Putain, toi, tu collectionnes les trucs chiants, quoi. Ouais, tu collectionnes les trucs chiants. Alors, est-ce qu'on le met en dernier? Non, je pense pas qu'on va le mettre en quatrième. Je pense pas. Par contre, je pense que lui, on va lui refaire le même truc. Alors, elle. PV. Protection. Faut que tout le monde soit méga résistant, par contre. Attends, on va où, là? Tanière. Tanière, c'est encore les cochons et tout ça là. Encore les bêtes. Ok, par contre, on peut faire un truc, c'est ça. Alors, avancer. C'est qui est le plus lent? Toi, comme d'habitude. Alors, étourdissement. Ouais, mais attends, si je joue, si toi, tu fais... Ah, t'avances. Après toi tu pourras faire le lancer, la lance sacrée. Mais après du coup je vais encore devoir bouger en fait devant, je peux pas faire autre chose. À la limite, on le joue défensif, lui.
Mais je peux pas étourdir sans passer devant lui. Donc si jamais lui il est en arrière, il pourra rien faire. Donc on est obligé d'avoir la lance sacrée dans le set. Oula, qu'est-ce que ça va être relou. On peut pas le mettre là, parce que sinon l'autre il est derrière. Il pourra plus jouer. Oh, que c'est la merde. Ouais, en fait, c'est Vanguard qui fout la merde, quoi. Je comprends bien. Après, on peut le remplacer par un niveau 6, mais bon. Du coup, ça serait pas vraiment très très intéressant. Et si je le mets en dernier, comme ça, on pourra plus faire, par exemple, le châtiment. Bon, faut de l'esquive et de l'esquive et de la protection si on peut. Protection PV max. Précision critique. Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, je pense qu'on a un truc. Je sais pas si c'est le meilleur, mais je pense qu'on a un truc. On va juste regarder le camping. Non, toi non. Toi t'as ça uniquement sur soi, non. Ah oui, empêche les embuscades nocturnes, oui c'est bon. Celui-là que je voulais débloquer. Très bien. Ça augmente pas le dot. C'est bête. Faudrait tout lui augmenter à lui. Plus que 16 000. Ok, ça suffira. Peut-être qu'on va devoir peut-être qu'on a des événements de ville ou où ça coûte moins cher. Donc on avait dit ça.
T'as fait beaucoup, non? Mais c'est pas grave. Parce qu'on y va. Pardon. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Truc secret. On peut aller au centre comme ça si on a une chance de scouter, ça va être bien. Alors. Toi, tu peux enlever des trucs. Et toi, t'as quoi d'autre? Flagellant. Très bien. Allez, premier combat. Oh, oh, oh. Merde. Ok. Brigand pillard. On a déjà vu ça. Putain, ils ont un taux de résiste de stun, quoi. C'est ouf, hein. Bien joué. Il va nous débuff de ouf, c'est bien. Les mecs, vous pouvez avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît. Sans déconner. Non, bon. Slowly, gently. This is how a life is taken. Un peu stressant. Je sais pas si on va avoir une, si on a une bonne équipe en fait. Je vais être honnête, j'ai envie de dire que non. A singular strike. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Mais bon, ils nous ont débuff l'esquive aussi. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. C'est un peu le truc relou, quoi. Faut être honnête. Le coffre, on va pas le prendre maintenant. Ou alors on campe. On campe maintenant. On peut faire un camp. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats in a maze. Empêche les embuscades nocturnes. Alors.
skill crit. Et après, je crois que ça va être du dégât. Dégâts crit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose en fait. Entraînement. C'est s'entraîner à se maérer tout ça. Ok. Très bien. En fait, on aurait dû avoir genre un chasseur de primes. Genre Dark là, il serait vraiment bien. Il serait vraiment bien dedans. Super. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Oui. Bien joué. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Je vais être honnête, ça va pas vraiment bien se passer. Je peux déjà bien le voir, ça. Unnerved, unbalanced. Ouais, je peux déjà le confirmer que ça va pas bien se passer. Give them no quarter. Tout le monde qui se loupe l'un l'autre, magnifique. On peut un peu temporiser parce qu'il est aveugle. Donc ça c'est bien. Je vais continuer à faire du soin en fait sur tout le monde, comme ça si ça fait un critique, on a plus de chances de faire un critique en fait dans le lot qu'une cible unique. Thank you.
momentary abatement. Ouh, il est un peu long le combat là. Bien. Bon, bah ça va, on a pu soigner notre stress en fait. On a pu complètement... Ouais, on a bien géré le stress au final. Qui est assez comique. C'est assez comique. C'est quoi ça va rendre ? Hôtel osseux. Il émane un étrange pouvoir. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah si. Alors 100% buff dégâts. Alors, ça peut être intéressant. Donc on a eu dégâts, précision et critique. Pas mal. On a une porte secrète ici. On peut peut-être faire le tour comme ça. Wow, doucement. Mind that such missteps are the exception. Quoi ce bordel ? Oui, s'il a eu le régène en même temps et tout, quoi. C'est... Ouh la vache. Ok, nickel. Gold, trinkets and baubles, paid for in blood. On va peut-être laisser de côté l'argent pour le moment. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Bon, la chambre secrète, elle va nous foutre dans la merde, parce que du coup, ça voudra dire qu'on aura trois cailloux géants, en fait, après. On va la prendre après. De dégâts, il m'a fait.
Il m'a fait 20 dégâts. The will to fight falters. Decimated. Bon, c'est bien. Mortality clarified in a single strike. Donc heureux qu'elle a beaucoup d'HP et de défense. Hein. Fallait... Non ! Oh mon dieu, qu'est-ce qui me fatigue ce jeu des fois ? Là, c'est le combat de d'aveugle, ça c'est bien. Confidence surges as the enemy crumbles. Crochet là où ça fait mal. Ce qui est marrant, c'est qu'après on arrive à se remettre parce que en fait l'équipe entière a quand même beaucoup d'HP et elle est résistante quoi. Push on to the task's end. C'est quoi ce machin? Tir au flan? Au flanc. Non, au flanc. Tire au flanc, pardon. pour. On va mettre ça. Paralyser quelqu'un, enfin stunner, étourdir, stun, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Amputation, d'accord. C'est limite, hein. Wow.
prends mal, c'est con. Je te bannis. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Eh merde. Aïe aïe. J'aurais dû avoir le buff d'esquive depuis un moment, mais bon. Un point. On soigne pas assez. Hein. On soigne vraiment pas assez. Ah, j'aurais dû enlever le saignement. Oh la vache. The match is struck. A blazing star is born. Très bien. Non, pas très bien. Leur saignement fait très mal. C'est incroyable. Et en plus, ils nous débuffent les soins qu'on reçus. Ah, c'est... Oui, c'est violent. Hein. As victories mount, so too will resistance. Très violent. Est-ce qu'on campe maintenant ou pas? Non, on a encore un combat de buff. Pas un combat. Et du coup, ça, on va pas le toucher. J'ai besoin de survivre en fait. Bien joué. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Mon dieu. Que des gros trucs quoi, c'est ouf quand même.
Très bien. C'est violent ici quand même. Hein. Méga violent. Je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être changer Pharam en tank avec le buff. Faut que je pense à utiliser le bandage. Pas mal. On peut faire un crit sur du soin, genre quelques fois, s'il vous plaît. Genre je demande pas beaucoup là parce que... Merci. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Quand même légèrement hardcore là. Hein. Bon, maintenant on a plus de buff. Qu'est-ce qu'on fait? On campe ici. On va camper, je crois. A spark without kindling is a goal without hope. Alors, groupe esquive crit et dégâts. Nickel. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. The light, the promise of safety. Ouais, j'y crois pas des masses, mais... J'ai un peu envie de partir, en fait. Alors là, il faudrait retourner là. Pour aller récupérer ce qu'il y a dans la salle secrète.
Alors maintenant. Là on a un curio, on va se buffer. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Hein. N'a plus de nourriture. Je vais pas rebrousser chemin 50 ans parce que on va faire ça et on va sur la gauche. En espérant que ça se passe bien. Nique que toi. Ambushed by foul invention. Allez, on est buffé. Ok, très bien. Super. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Arrêtez de louper. Obliterated. Là, lui va faire mal. Masterfully executed. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Les hommes d'armes. Déplacement, changement de fin d'étourdissement, dégâts. Ouh, c'est pas mal ça. Pas mal. Après, c'est vrai qu'il prend moins de trucs parce qu'il a ça là. Soins reçus, moins 25%. J'avoue que c'est pas. C'est pas très malin. Je suis con ou quoi? Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Des livres. Allez, on s'approche de la fin. Oula. On s'approche de la fin de la mission, c'est ce que je voulais dire, ok? Je voulais pas dire autre chose, vous voulez pas dire la fin de nous. La fin de la mission. Je préfère prévenir. Oh, aïe 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 aïe. Ce serait peut-être qu'on a un peu un problème pour le soigner parce qu'il a un peu moins 25%.
Ow. Ah, vive l'esquive. 9, c'est déjà un peu mieux. Yes, il manquait juste un point, trop bien. Bien joué. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. C'est la protection. Ouais, là ça va mieux. J'avoue qu'au final ça fait quand même pas mal de soins en moins. Surtout que lui on lui a mis 20%. On lui a loqué une compétence là de 20%. Donc c'est comme ça il passait à côté quoi. Precipitates a dizzying fall. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Garde quand même un stack d'argent pour notre récompense quoi. Okay. Merde. No force of will can overcome a failing body. Ah, trop longtemps rester là-dedans. On va aller sur les autres cases. Si je peux éviter les combats, je le fais en fait. Si je peux éviter les combats, on évite. Je garde un stack d'argent, mais j'ai 3. J'ai 3 cailloux. Alors. Oh, let's go.
Ah, c'était un peu chaud, hein. Putain, on l'a mérité, notre stylo, là. Hein. Notre stylo Bic, là. Très bien. C'est pour ça que je voulais des trucs, là. Ah, on l'a vraiment mérité, hein. Ouais, ils sont tous 6, maintenant. Ah, tu m'étonnes que... Putain, c'est ouf. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Alors, oh, y a rien de spécial. Putain, qu'est-ce qu'on l'a mérité? C'est sûrement un des meilleurs. On a eu ça déjà, ça aussi c'est vachement bien. Genre dégâts, 30, 25%. Très bien. Genre surtout, c'est ça qui est bien. Et ça, je crois honnêtement que c'est sûrement un des meilleurs trucs qui existent dans le jeu. Le dégâts, dégâts 10 et critique 8. Puis en plus c'est au rouge là. Ah, ça m'a tué, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Encore un bouclier. Oh là, waouh, trop bien. Ah, c'est encore un truc qu'on connaît. Ah là là. J'ai pas vraiment envie de le faire, du coup, si c'est un objet qu'on a. Faut qu'on gère notre stress et tout ça. On va d'abord s'occuper du stress. Avant de s'occuper des maladies et tout, parce qu'il faut qu'il soit jouable en fait. Donc nous on veut augmenter maintenant. Attends, on est sur la guilde. Et la forge toujours, donc c'est. Des contrats. Et là c'est des portraits. Là aussi c'est des portraits. Là. Ok. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. Méditation. Méditation, toi. Très bien. Toi, c'est... Donc toi, tu peux pas méditer. Quoi? Non, si. En ville, ne peut que méditer pour déstresser. Ok, ça marche. Très bien. Param. Que se faire flageller. Toi tu as eu quoi? Alors, comportement 3, ne priera pas en ville, possession pour le meurtre. Et inférieur, stress si inférieur à 50%. Change de repérage. Ah mais t'attends, t'es niveau 1, toi on s'en fout un peu. Alors là, t'as eu luminosité, vitesse et esquive plus 5. Ok. Donc, lock. Lock-moi ça.
de ruelle. Vitesse et ouais, luminosité, c'est un des meilleurs qui existe. Stress si la torche est inférieure à 26. Ah non, ça va. Sa compétence de soins, oui, comme on en avait parlé, ça. Où ça pouvait être utile si ça fonctionne bien sur ses habilités à lui. Ça peut être pas mal. Mais ouais, faut loquer ça. Je suis resté des araignées, je sais pas pourquoi. Des moustiques. Nombre de psychiatrie. Alors, il nous faudrait 5. 5 bustes. Je voudrais bien 5. Parfait. Comme ça, on a deux places. Voilà, nickel. Il nous reste 22 000. Qu'est-ce qu'on a à lock encore? Bon, pour le stress, on est bon. Pour le stress, on est bon. Regardons maintenant les gens qu'on a. Qui sont haut niveau. Qui ont besoin de lock quelque chose. Du verbe locked. Lock. En anglais. Non. Très spécial. Quoi? Talent pour le par. Ah, talent. Chance accrue de victoire au jeu. Je pensais genre au jeu. Genre à Darkest Dungeon. Je me suis dit, attends, on le prend dans le dernier truc et on a une chance de gagner comme ça. Maintenant, c'est le jeu. Dans cette distance, dégâts. Dégâts, on s'en fout. Lui, ouais. Lui, il a ça. Dégâts 6 PV supérieur à 89% là. Mais je suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait pas aussi lui mettre, lui loquer ça en fait. Dégâts 10% en plus encore, si la torche est supérieure. Et ça me paraît pas mal. Oui, toi t'as. Donc ça c'est cool. Mais après il y a PV max et œil de lynx qui est pas mal aussi. Alors PV max et œil de lynx. On va voir après ce qu'on peut faire d'autre. Qu'est-ce qu'on fera d'autre pour la prochaine fois? Bon, uniquement pour le bouffon. Ça, ça a pas l'air vraiment très intéressant. La récolte exceptionnelle, par contre, je voudrais bien savoir ce que c'est. Là, on a encore un anneau de concentration. Là, par contre, on a une plume de cristal. Ça, c'est pas mal. Dans le deuxième. Bon, ça, le boss, on le fera pas. On attendra encore un tour, parce que ça, on l'a déjà, le saut du martyr. Là, c'est que des boucliers qu'on a déjà. Et là, c'est les niveaux 1. Donc, les niveaux 1, on n'a rien à monter. À la limite, il y a Gaël et elle. Et Vaughan. Gaël et Vaughan à la limite. Mais on va dire que c'est pas ce qui est. C'est pas ce qui est le plus important. Donc je dirais. Ça a l'air sympa, mais c'est. Résistance au coup fatal, 12%. Oui, stress, moins 1, 6 torches inférieures. C'est pour jouer la nuit, quoi. Ouais, je dirais ça, moi. Donc, 3 plus. On peut peut-être avoir une... non, j'ai rien dit. Une antiquaire, voilà, c'est le mot que je cherchais.
On a que deux antiquaires? Ah oui, il y en a une qui est niveau 1, quoi. L'autre qui est déjà niveau 6. Et ben, mince alors. Ah oui, mais c'est... Oh putain, mais il y a Dark. Ah non, mais c'est bon, Dark, il peut venir pour le niveau 4. L'infection est là. Oui, c'est s'il devient 5, en fait, qu'il pourra pas venir. Parce que lui, il est vraiment trop utile, en fait. Peut-être moins sur la sorcière, parce que la sorcière elle est en arrière à la limite. Expérience de détermination, il faut 10 points. Je sais pas combien de points d'expérience ça donne, ça j'en sais rien en fait. Sauf que j'arrive jamais fait vraiment très attention. Bon, on peut faire un niveau 4 et après on fera le boss plus tard. Mais je sais pas qui prendre. Bah en fait ça me paraît pas mal. Au final. Ah oui, toi t'as la suite. Putain mais les gens ils font un peu chier quand même. Stress 30%. Après, on peut l'enlever avec la maladie. C'est qui l'enlève? Ah, c'est toi, avec les sangsues. Donc, tu pourras enlever une maladie à quelqu'un. Déjà, c'est déjà bien. Bon, bah, on est bien comme ça. Ça sera nos prochains. Ce qu'on a besoin de faire attention à quelque chose, non. Par contre, on a dit qu'on voulait loquer quelque chose, mais je sais pas quoi. Qu'on l'a pris sur nous, le mec, qu'on voulait lock. Réflexe vif, ça peut être intéressant aussi. Ah oui, c'était un des tueurs, un des tireurs. Dégâts, si torche supérieure à 75. Et même Gaël, ça peut être intéressant, c'est le réflexe vif. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait ça. Dégâts, 10%, si torche supérieure. Enfin, si on joue toujours en torche supérieure, mais... C'est bon. On va s'arrêter là. On équipera notre nouvelle... Voilà. Très bien. On a déjà une traction, pas besoin. Ça, on ne peut pas le faire. Tiens, comme ça, ça marque. Pas mal, parfait. C'est quoi ça? Réduit la lumière, non, ça c'est quoi? Stress, c'est tous les compagnons qui stressent. D'accord.
peu de la merde. On va s'arrêter là. Et ça sera notre prochain groupe. Donc l'infection est là, s'appelle, apparemment. C'est marrant. Ça fait rien du tout. Je vais aller regarder au passage, au cas où. Ça fait rien du tout. C'est juste des noms comme ça. Et ça veut même pas dire que c'est des bonnes équipes. C'est juste que, voilà. C'est des trucs comme ça. Ça vient peut-être du Kickstarter à l'époque. J'en sais rien. Ouais. Donc on fera pas la sorcière parce qu'il y a une récompense de merde. Donc ça servira à rien. Enfin, je crois. Après, l'équipe est pas mal pour la sorcière. J'ai envie de dire. À la limite, il faudrait peut-être un soin. Ah, mais non, on a les deux soins maintenant qui sont niveau 6. Est-ce que j'ai un peu merdé ? Ah oui, on a les deux soins niveau 6. Donc on sera obligé de jouer avec lui. Intéressant. Ouais. On va avoir un problème pour la sorcière. On va avoir un problème. Parce qu'on commence à avoir de moins en moins de gens niveau 4 en fait. Donc va falloir remonter une équipe si on veut tuer les boss. Mais en tout cas, ça sera ça la prochaine fois. À la prochaine. Ciao ciao.